Preview. Bonjour, chers followers. Bienvenue à votre webmag EDEKA Coach, le magazine qui vous donne les topos à l'effet de pouvoir développer votre chiffre d'affaires et atteindre votre objectif. EDEKA Coach reçoit pour vous aujourd'hui à l'émission à cœur ouvert Monsieur Pape Senghor, directeur général de Colmissi, membre du groupe Chaka, un entrepreneur au parcours atypique qui mise sur l'employabilité des jeunes. Suivez-nous. Preview. Bonjour Monsieur le DG. Bonjour Edem. EDEKA Coach vous reçoit à son émission à cœur ouvert. Présentez-nous votre structure. Tout d'abord, bienvenue chez nous et chez toi. Colmi Côte d'Ivoire est spécialisé dans la gestion de la relation client à distance. Nous sommes une des filiales du groupe Chaka qui intervient justement dans ce domaine d'activité. Nous sommes présents en Côte d'Ivoire depuis 2005. Et notre métier, c'est un petit peu d'être une sorte d'articulation entre une entreprise, quelle qu'elle soit, avec sa clientèle. Donc, expliquer de façon très sommaire, voilà ce que nous faisons et qui nous a valu la confiance de structures comme les opérateurs de téléphonie, comme l'État de Côte d'Ivoire et les sociétés d'assurance. Pour ce qui me concerne, moi, Pape Senghor, je suis un tout petit peu ici en Côte d'Ivoire depuis 2011. Je dirige cette entité-là. J'ai un parcours de commercial après des études universitaires, justement en histoire. C'est très intéressant cet aspect-là, parce que mon papa voulait coûte que j'aille à l'université, même si ce n'était pas forcément ce que moi j'avais envie de faire. Donc c'est ce qui a expliqué mon passage à l'université. Par la suite, j'ai fait des études en gestion et j'ai fait également un MBA en management. Donc, je suis au sein du groupe Chaka depuis 2005 et depuis 2011, je suis en Côte d'Ivoire et où je dirige l'entité Colmi et également l'autre filiale du groupe qui est dans la monétique. Donc, voilà un peu pour ce qui est des activités de Colmi et une sommaire présentation de ma modeste personne. Monsieur le DG, qu'est-ce qui explique votre engagement à promouvoir l'entrepreneuriat jeune au sein de votre structure? Traditionnellement, les centres d'appel sont réputés être des pourvoyeurs d'emplois jeunes. Nous participons beaucoup à ce qu'on appelle l'employabilité de la jeunesse. Parce que le constat qui est fait, c'est que la plupart d'entre nos jeunes, lorsqu'ils finissent leur formation, ils ne sont pas tout de suite opérationnels. Je peux faire une maîtrise en finance, ce n'est pas pour autant que je suis tout de suite opérationnel pour travailler en banque. Je peux faire une maîtrise en gestion financière, mais c'est pas... Voilà. Donc nous, traditionnellement, on donne cette première expérience-là professionnelle à des jeunes. Donc c'est ce qui fait qu'on a des partenariats avec de très grandes business schools, qui fait que pendant même que le jeune il est en formation, on lui donne une première expérience à travers des stages de formation dans les call centers. Donc c'est ce rôle-là traditionnel que les call centers ont au Maghreb, dans d'autres pays qui se sont bien positionnés sur les centres d'appel. Donc c'est cette vocation-là qu'on a ici également en Côte d'Ivoire. Donc la plupart de nos collaborateurs, c'est des jeunes qui sont en fin de formation ou bien qui sont encore en formation, qu'on emploie sur maximum un an, le temps de leur donner une formation après le diplôme et de participer à leur employabilité et de leur donner le maximum de chances pour s'insérer dans le monde de l'emploi. Quelles sont les perspectives dans lesquelles sont engagées votre structure vis-à-vis de cette jeunesse? Oui, nous avons eu un accord de partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire à travers l'Agence Emploi Jeune, par lequel partenariat on participe, comme je l'ai dit tantôt, à l'employabilité des jeunes. Nous avons quand même dans nos deux sites près de 250 jeunes qui sont employés de façon soit permanente ou ponctuelle. Donc ça, c'est la modeste contribution que notre entité veut apporter justement à la réduction du taux de chômage. Notre ambition, c'est justement de pouvoir pérenniser ça et alors encore un peu plus l'avant. Parce que stratégiquement, nous étions jusque-là sur le segment d'activité purement vocale.
Et on est en train d'amorcer le virage sur tout ce qui est digital. Et on sait que la jeunesse est particulièrement friande de tout ce qui est digital. Donc, ce sont les perspectives. Donc, par ailleurs, c'est une réalité, c'est déjà une réalité dans les autres pays maghrébins et autres. Ici, c'est un virage que nous sommes en train d'amorcer. Et on l'espère, avec cette jeunesse-là très innovante, il faut le dire, on va y arriver. Le gouvernement, bonjour, je suis Rodrigue. Comment puis-je vous aider, s'il vous plaît? Est-ce que vous me recevez? Alors, vous êtes bien sur la ligne du gouvernement. Si vous me recevez, nous vous prions de bien vouloir réitérer votre appel, s'il vous plaît. Preview.